Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors ça sera pas l'histoire des nains, hein, qu'on soit clair, les vidéos de généalogie sont là pour être plus courtes, plus rapides, mais c'est la généalogie sur les nains, en l'occurrence les terrestres. Donc on va commencer, je ferai avec ce qui m'a permis de préparer cette vidéo, bien sûr, merci beaucoup à Evan Essor qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo vraiment plus longue sur l'histoire des nains grâce au travail qui a été fait sur cette généalogie. Mais du coup, attaquons directement. Bien entendu, pour avoir cette vidéo est là aussi en annexe, je dirais, de la vidéo sur Wrath of the Lich King, parce qu'on parle de pas mal de points et d'éléments de Wrath of the Lich King, notamment le lore d'Ulduar et autres. Mais du coup, et ainsi bien sûr que la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth, où on a vu la découverte des gardiens et des créatures forgées par les titans. Donc, à la base, les terrestres, ce sont ce qu'on appelle des forgés par les titans. Ce sont des serviteurs des gardiens qui avaient besoin les gardiens avaient besoin de travailleurs pour bâtir et entretenir les complexes des titans. En l'occurrence, en gros, ce sont les ouvriers ou les esclaves. Les ouvriers, ils sont pas vraiment rémunérés. Donc, c'est les ouvriers, tout simplement, les terrestres. Et c'est eux qui furent mis dans les chantiers, hein, notamment la forge des volontés, qui est justement le premier outil qui a permis de créer ces êtres, fait de pierre et potentiellement, fait de pierre principalement. Et donc, avant la mise en chantier des terrestres, il y a d'abord eu la création que vous voyez en haut à gauche, hein, c'est les trogues de pierre. Les trogues de pierre. Première expérience qui n'a pas du tout fonctionné, hein, puisqu'à la base, les terrestres, le résultat que vous voyez sur la deuxième expérience, les gardiens ont essayé d'amener cette réussite, ce résultat, et ils se sont ratés, les gardiens. C'est les trogues de pierre qui sont les premiers véritables terrestres. Donc, suite à ce raté dans l'expérience, les trogues de pierre étaient beaucoup trop sauvages, beaucoup trop agressifs, et donc les gardiens ont considéré que c'était un échec, et ils les ont enfermés à Uldaman, sous la responsabilité d'Ironaya. Ironaya qui est la personne qui a défendu les trogues de pierre. On va pas les abattre, on va les enfermer, est-ce que c'est mieux ou pas, hein, ça va. Chacun son point de vue, évidemment. Donc la deuxième expérience fut un succès, hein. Cette fois-ci c'était la bonne dose, on va dire, dans l'expérience. Et donc les terrestres virent enfin le jour tels qu'on les connaît. Mais en soi, trogues de pierre sont des terrestres ratés, en fait, hein. Donc on pourrait les appeler terrestres. Mais les véritables terrestres tels qu'on les connaît, c'est les ancêtres des nains. Mais du coup, les nains et les trogues de pierre partagent une ascendance commune. Mais du coup, voilà, les ancêtres de tous les nains sont les terrestres. D'autres forgés par les titans apparaissent et de nouvelles générations vont venir avec le temps et en fonction des besoins, bien sûr, des différents gardiens des titans. Mais on a d'autres cousins des terrestres qui vont être créés au même moment, notamment les mécagnomes, on y reviendra dans une autre généalogie, bien sûr, celle sur les gnomes, ainsi que les moguls, les vricouls. Je vous laisse aller voir la vidéo de l'ordonnancement d'Azeroth, évidemment. Alors, il va y avoir, lors de différents événements que je vous ai narrés dans la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth, la trahison d'un des gardiens, à savoir Loken, vous savez, le Loki de l'univers de Warcraft, il trahit les autres gardiens, et il va être influencé et manipulé par un des quatre dieux très anciens, à savoir Yogg-Saron, et Yogg-Saron, il va commencer à lui vriller le cerveau. Et grâce à cette manipulation, Yogg-Saron va avoir accès à la Forge des Volontés. Forge des Volontés, c'est tout simplement l'outil qui a permis de créer les terrestres. En touchant justement à la Forge des Volontés, Yogg-Saron va réussir à créer un mal pour fragiliser les gardiens et surtout les forgés par les titans, à savoir la malédiction de la chair qui va altérer leur peau pour les rendre, en gros cette peau de pierre va passer à une chair molle, plus souple, plus facile à briser. Alors ça ne veut pas dire que les terrestres sont immortels à la base, hein. Les terrestres peuvent être tués, c'est souvent quelque chose, une idée reçue que j'ai vue un peu sur certains forums. Non, les terrestres, on peut les tuer bien entendu, mais la malédiction de la chair a pour but de les rendre beaucoup plus faciles à tuer dans l'éventualité d'une libération des dieux très anciens et un futur conflit contre les créations des titans. Donc c'est le principe de la malédiction de la chair, et c'est une maladie hautement volatile qui va corrompre, qui va être un mal pour les terrestres de toutes sortes, donc les terrestres, bien sûr, les ancêtres des nains, mais également les cousins, les mécagnomes, les mogus, les vricules, etc., etc.
Cette malédiction de la chair va entraîner des conséquences, bien sûr, puisque les gardiens Ironaya, que vous voyez à l'écran, hein, celle dont j'ai déjà parlé, qui a sauvé, entre guillemets, les trocs de pierre, et un autre gardien qui s'appelle Arkedas, Arkedas qui est principalement celui qui est assez important, on va dire, c'est l'un des gardiens les plus importants pour l'histoire des nains, vont tout simplement fuir Loken et la trahison de Loken et Ulduar, tout simplement le siège de pouvoir à l'époque des gardiens, pour se cacher à Uldaman, un endroit, donc un complexe titanique dont j'ai déjà fait mention, qui cachait les trocs de pierre, et bien là, ça permettra et bien, de cacher les terrestres. Les mécagnomes, enfin une partie bien sûr des terrestres, hein, tout le monde n'y est pas allé, des mécagnomes et des vricules, hein, vous savez, les ancêtres de l'humanité, vidéo sur la généalogie des humains. Et ainsi, les ancêtres des nains arrivèrent dans ce qu'on appelle les royaumes de l'Est, à ça plus précisément en Kazmodan. La malédiction de la chair se propagea, même si bien sûr, cette malédiction de la chair, elle est hautement volatile, elle se transmet facilement et les symptômes arrivent petit à petit. Du coup, eh bien, la malédiction de la chair s'est également propagée parmi les terrestres et du coup, eh bien, elle va toucher les mécagnomes, les vricules et les terrestres qui ont fui Ulduar. Malgré qu'il n'ait plus de contact avec la malédiction de la chair. Et on parle justement, parce que évidemment, Loken a aussi sous ses ordres des terrestres, mais la fuite d'une grande partie d'entre eux pour fuir le courroux de Loken, eh bien, va justement le mettre hors de lui et il sera ivre de colère puisqu'il voit la fuite d'énormément de serviteurs. Il a pour projet de refaire une nouvelle génération de serviteurs. À savoir, il choisit de recréer une nouvelle génération avec la Forge des Volontés, ce qu'on appellera les Nains de Fer, qui est tout simplement l'armée personnelle de Loken à Ulduar. Alors, vous les affronterez notamment sur Wrath of the Lich King. Alors, ce qui est très drôle, et bon, c'est ma partie, on va dire, critique, mais ce qui est assez drôle, c'est que la Forge des Volontés, le truc qui a été corrompu par Yogg-Saron, qui fait que du coup il y a la malédiction de la chair, donc les terrestres qui avaient la peau de pierre ou de métal se transforment en peau souple et qui vont amener aux nains tels qu'on les connaît. Du coup, la nouvelle génération de Forge des Volontés est en métal et n'est pas affectée par la malédiction de la chair. C'est cocasse. C'est écriture Wotelka, évidemment. Donc, c'était voilà, c'est la partie critique. On va continuer. Certains des terrestres qui étaient à Ulduar, donc dans le Northrend, donc le Norfandre, vont choisir de fuir. Également le courroux de Loken, mais ils ne vont pas avoir la chance de pouvoir suivre Ironaya et Arkedas. Ils vont devoir se réfugier dans les montagnes et se cacher à l'insu de tous pour éviter la colère de Loken. Et ces terrestres ayant fui vont être également bien sûr affectés par la mixtion de la chair et ils vont eh bien s'habituer au climat rude du Northrend. Et en l'occurrence, ça va faire ce qu'on appelle les nains de givre ou les Frostborn en anglais, donc ces espèces de nains de glace qui sont des habitants locaux du Northrend. Donc eux aussi, bien sûr, sont atteints de la malédiction de la chair. Ensuite, donc revenons à nos terrestres qui avaient fui Loken et qui avaient suivi Arkedas et Ironaya Uldaman. Eh bien, ces anciens terrestres vont malgré tout dégénérer petit à petit, hein, ça se fait de génération en génération, et bien ils vont, avec la malédiction de la chair, va aussi amener le fait que la chair soit plus mortelle, le corps soit plus fragile, et du coup, eh bien, ils vivent beaucoup moins longtemps, et du coup, certains vont oublier en fait pourquoi, on veut oublier leur mission principale qui était de prendre soin des complexes titaniques, notamment Uldaman, l'endroit où ils ont choisi de s'exiler, et du coup, eh bien, certains vont oublier leur propre mission et vont commencer à vouloir découvrir le monde, partir à l'aventure, et ces nains furent attirés par les montagnes notamment. C'est logique avec leur histoire évidemment, mais ils vont s'installer dans la future zone de Dunmorog, vous savez, le starter nain bien sûr de World of Warcraft, et ils vont lutter notamment contre des menaces locales, notamment la plus grande d'entre elles, ce sont les trolls Drakari. Alors, trolls des glaces, hein, tout simplement, et ils vont fonder une ville, une grande ville, une grande capitale qui sera Ironforge ou Forge Fer en français, qui est la grande capitale des nains. Alors, ils vont également, en étant ici, ils vont également nommer l'endroit, en fait, les terres sur lesquelles ils se sont installés, et c'est de là que vient la création Kazmodan, puisque Kaz, c'est tout simplement, alors, en honneur au titan Kazgoroth.
Et Modane, ça veut tout simplement dire les montagnes, donc les montagnes de Kaz. En gros, c'est ça tout simplement l'appellation. C'est, en fait, si vous vous êtes toujours posé la question, comment s'appelle ce sous, pourquoi s'appelle ce sous-continent Kaz-Modane, eh bien, c'est pour ça. Ils s'unirent donc. Alors, tous les nains vont, voilà. Alors, maintenant, on a vraiment l'appellation nain, hein, puisque c'est, alors c'est un peu débile, mais normalement, les nains, nains, c'est un terme un petit peu péjoratif. Et dans l'histoire, eh bien, malheureusement, c'est eux-mêmes qui vont s'appeler nains. Quand les terrestres, voilà, perdent leur peau de pierre pour cette chair molle, eh bien petit à petit ils vont s'appeler les nains. Bon, c'est voilà, c'est ça, c'est un choix volontaire, enfin c'est un choix de leur part, et du coup eh bien ils vont être sous l'égide d'une grande famille naine, la famille Anvilmar, ou Courbanclume en français si je ne dis pas de bêtises, mais je préfère Anvilmar. Ils baptisent donc, comme je l'ai dit, leur terre Kaz-Modan, et jusqu'au dernier de la lignée dirigeante, à savoir donc de la famille Anvilmar, eh bien il y a Modimus Anvilmar. C'est le grand chef. Alors c'est pas vraiment lui, hein, il n'y a pas d'image enfin, spécialement de lui, mais il est très connu, puisque Modivus en Vilmar était un grand roi qui, alors on connaît pas toute sa vie, mais il est fort probable qu'il ait beaucoup lutté contre les trolls de glace notamment, et sa mort va créer une instabilité terrible, provoquant un événement que je narrerai dans une autre vidéo, en plus en détail en tout cas, c'est la guerre des trois marteaux. Et au passage, ce grand roi Modimus Anvilmar, vous pouvez le retrouver à l'entrée d'Ironforge, à l'entrée de Forge Fer. C'est tout simplement cette grande statue, vous savez, d'un roi de la montagne. Eh bien, c'est lui, c'est Modimus Anvilmar. Voilà pour la petite anecdote. La guerre des trois marteaux, c'est tout simplement donc trois factions naines qui vont chacun prendre leur indépendance. Donc cette instabilité, cette guerre civile des nains, eh bien, va déboucher à la création de trois différents clans, à savoir. Enfin, trois factions qui vont s'affronter, qui sont des clans qui existaient déjà avant, hein, sous la coupe de Modimus en Vilmar, mais chacun voilà, va avoir son côté. On a d'abord les nains, tout simplement Bronzebeard, ou Barbe de Bronze, qui reste en fait le corps dominant, puisqu'ils étaient directement à l'armée, etc. J'irai plus en détail dans la vidéo sur les nains, l'histoire des nains, mais donc c'est tout simplement les nains qui vont rester, qui vont garder le contrôle d'Ironforge, et qui vont chasser leurs autres frères, et qui vont devenir les héritiers, on va dire, de Anvilmar. Alors attention, la lignée d'Anvilmar n'est pas éteinte, hein, il faut le savoir. C'est vrai que dit comme ça donne l'impression que la lignée Anvilmar est terminée. Non, non, non. C'est juste que le roi Modimus Anvilmar est le dernier à être roi d'Ironforge, en fait roi des nains, roi de tous les nains. Il reste de la famille d'Anvilmar, ses héritiers sont restés, mais vont tomber sous la coupe des Bronzebeard. Les Bronzebeard vont devenir les rois d'Ironforge, pas de tous les nains, mais les rois d'Ironforge. Alors que, eh bien, les héritiers de Modimus Anvilmar, eux, vont devenir en gros des grands sénateurs du Sénat d'Ironforge. Donc ça, c'est pour les nains, voilà, les nains de Forge Fer, les nains d'Ironforge. Nous avons, eh bien, les autres factions naines qui vont être chassées d'Ironforge, comme je l'ai dit. On va commencer dans les factions renégates. Nous avons, eh bien, tout simplement les Wildhammer, ou les marteaux hardis, avec, eh bien, donc c'est des nains qui vont aller vers le nord et qui vont se diriger vers la montagne de Grimbattle. Ils vont y fonder leur capitale. Cette capitale, enfin, c'était déjà une ville, hein, bien sûr, mais ça deviendra la capitale et ils vont l'étendre, etc. Et ils vont être beaucoup plus proches de la nature et beaucoup plus proches des animaux, notamment les griffons, évidemment. C'est également, alors, c'est un petit peu drôle parce qu'on les nomme maintenant les nains des collines. Sauf qu'historiquement, à l'époque de Warcraft 2, les nains des collines, c'est drôle, mais c'est les nains d'Ironforge. Et les nains des montagnes, c'est les Wildhammer. Par exemple, si vous lisez Le Jour du Dragon, vous verrez, vous dites, bah attendez, c'est pourquoi Falstad, un Wildhammer, justement, s'appelle nain des montagnes, et il critique les nains d'Ironforge, qui sont des nains des collines. Ça, c'est un changement par rapport à la topographie de World of Warcraft, parce qu'à l'époque, eh bien, les montagnes des Wildhammer étaient encore plus hautes que celles d'Ironforge, et du coup, les nains des collines étaient celles des petites montagnes, en gros. Sauf que maintenant, c'est l'inverse, les nains des collines, c'est les Wildhammer, les nains des montagnes, c'est ceux d'Ironforge. Donc, leur capitale est Grimbattle, mais pendant la guerre des Trois Marteaux, ils vont perdre leur capitale. Grimbattle va tomber, et je vais vous en parler juste après, bien sûr. Mais ils vont du coup avoir une nouvelle capitale plus tard, le Pic des Aéries, qui se trouve dans les Interlands. Et le Pic Aéries, eh bien, c'est tout simplement maintenant le foyer, la grande capitale des nains Wildhammer.
Ensuite, nous avons la faction des nains un petit peu coquinous, puisque ce sont les Dark Iron ou les Sombres Fers en français. C'est les fidèles d'un... Alors, le chef de faction, puisque pour les Wildhammer, c'est très simple, c'est les Marteaux Hardis. Donc, le chef des Wildhammer, c'est un Wildhammer, c'est la faction des Wildhammer. Pour ce qui est des Sombres Fers, c'est les c'est la faction Torisan, à savoir le chef, c'est l'empereur, enfin c'est ce qu'on appelle l'empereur Torisan, puisqu'il va fonder l'empire des Dark Iron, l'empire des Sombres Fers, et du coup, eh bien, sa capitale s'appellera Torisan. Voilà, il n'a pas été très créatif, hein, c'est à l'image de sa famille, et ils vont habiter dans ce qu'on appelle les chaînes de montagnes que l'on nomme Red Ridge, les Red Ridge Mountains, en français les Carmines, sauf qu'attention, ce ne sont pas les Carmines de World of Warcraft, où il y a juste, voilà, une zone qui s'appelle les Carmines. En fait, la chaîne de montagne de Red Ridge, la chaîne de montagne des Carmines, englobe plusieurs zones, en finale. Vous avez, bien sûr, la province des Carmines, hein, dans World of Warcraft, qui est majoritairement humaine, mais vous avez également le mont Blackrock, donc le mont Roche Noire. Vous avez donc ce qui englobe les gorges des Vents Brûlants et les Steppes Ardentes. Ça, ce sont les monts Red Ridge, les Carmines. Et à cette époque-là, bien sûr, ça ressemblait pas à ça, hein, je vous en reparlerai. Vous pouvez déjà aller voir la vidéo sur Ragnaros, mais bien sûr, je ferai une vidéo sur notamment la guerre des Trois Marteaux, et là, on ira plus en détail. Mais globalement, la zone va changer de climat, et Ragnaros y est pour beaucoup. En gros, les Dark Iron et donc, vont lancer un assaut depuis leur capitale, Torisan, qui est dans les Carmines, et ils vont, donc l'Empire Sombrefer va... devient très très important et va choisir de s'attaquer non pas à un royaume nain mais aux deux autres royaumes nains, et du coup ils vont lancer leurs forces, lancer leurs offensives à la fois sur Ironforge et à la fois sur Grim Battle. L'empereur Torisan dirige l'assaut sur Ironforge, la femme de Torisan, Modgud, pardon, eh bien elle dirige l'assaut sur les Wildhammer, donc les Marteaux Hardis, à Grim Battle. Et ça va mal se passer, ça va très très mal se passer. En l'occurrence, le double assaut va faire en sorte que les deux autres royaumes nains vont s'allier, donc les Wildhammer et les Bronzebeard vont s'allier et vont repousser les Dark Iron, donc les Sombres Fers, et ce qui va pousser le siège d'Ironforge devient terrible et ils vont être repoussés. Le siège pareil de Grim Battle va être perdu, sauf que la différence d'Ironforge, c'est que en fait Torisan, bah, il a des pouvoirs bien sûr, mais Torisan va être repoussé directement, enfin directement, la bataille on imagine elle dure pas mal de temps, mais à un moment donné il va être repoussé sans avoir pu briser les portes, alors que sa femme à Torisan, eh bien elle va tout simplement, donc Modgud, utiliser la magie noire pour pouvoir, de la magie noire, et on sait un peu, bon c'est même plus maintenant, c'est de la magie du vide, à savoir elle avait une certaine dague qui s'appelle Xalatat, elle va utiliser cette dague pour lancer donc des sorts de magie noire sur Grim Battle, et elle va maudire, en gros c'est son cadeau d'adieu, elle va maudire Grim Battle pour rendre la cité totalement inhabitable, et du coup les Wildhammer seront contraints de quitter leur capitale, de fuir leur foyer pour retrouver un autre foyer plus tard qui sera le Pic Aeri, comme je vous en ai parlé juste avant. Et les Dark Iron, en fait Mokdud, elle a lancé ce puissant sortilège, et le problème c'est qu'il y avait encore des Dark Iron qui étaient là pendant l'assaut. Bien sûr pas des masses, mais il y en avait quand même quelques-uns. Des centaines de nains sombres fers ont été pris dans le sortilège. Et le problème, c'est que ça va faire muter leur corps, terriblement muter leur corps, et ça va devenir ce qu'on appelle les Scardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les Scardines, évidemment. Mais les Scardines, du coup, ils vont être bloqués, hein, un petit peu confinés chez eux. Et certains vont rester à Grim Battle, d'autres dans les montagnes et les collines proches de Grim Battle. Mais les Scardines... eh bien, vont ressembler à des nains. On voit toujours ce côté nain avec cette barbe, etc. Mais ils vont ressembler beaucoup plus à... ils vont avoir des corps d'écailles et ils vont devenir complètement sauvages, mangeant d'autres nains, par exemple, mangeant tout ce qui leur passe sous la peau. Ils ont des griffes avec un peu de venin, etc. Ils vont devenir des espèces de nains reptiliens atroces qui ne sont pas malheureusement présents dans World of Warcraft. C'est que dans l'univers étendu, notamment le livre de la Nuit du Dragon, et ils vont devenir les esclaves, notamment du Vol Noir, en l'occurrence de Sinestra, la compagne d'Eldomor, donc de Deathwing. Donc voilà pour les différentes variétés de nains, comme vous le voyez. Donc les givrenés, donc les terrestres devenus nains, les nains du nord. Les nains de fer, donc les nains de Loken. Nous avons les barbes de bronze, donc les nains d'Ironforge. Les marteaux hardis, donc les nains de Grim Battle. Et maintenant les nains des Aeri, du pic des Aeri. Et nous avons donc les nains à la peau noire, les sombres fers,
qui vivent tout simplement maintenant dans le mont Black Rock, puisque eux aussi vont perdre leur capitale suite à la guerre des Trois Marteaux. Thorissan va être totalement détruite avec l'éveil de Ragnaros et vont reconstruire leur capitale sous le mont Black Rock, donc sous le mont Roche Noire, et ce qui est très ressemblant à la Moria d'ailleurs. Et les Skardines, eux, bah, ils n'ont pas vraiment de capitale, même si Grim Battle devient un endroit où ils vont rôder. C'est pas fini, c'est pas fini. On va alors, bien sûr, là on a présenté les différentes variétés de nains, mais à Cataclysme, donc j'y reviendrai bien sûr dans la vidéo sur Cataclysme, mais et dans ma vidéo bien sûr sur l'histoire des nains, mais en gros les nains vont se rassembler de nouveau, les trois grandes familles naines vont se ra rassembler de nouveau avec les événements de Cataclysme. Les nains Wildhammer et les nains Dark Iron vont revenir à Ironforge, vont revenir à Forge de Fer et vont tout simplement eh bien, s'unir au Bronzebeard pour faire, en fait, refaire une unité, tout simplement l'unité de la nation naine, sous la... Pas sous le règne d'un roi cette fois-ci, mais sous le règne tout simplement d'un conseil, le conseil des trois marteaux. Trois marteaux, bien sûr, symboliques des nains, armes symboles des nains. Et donc, eh bien, ce conseil est un corps un petit peu, alors je dirais pas démocratique, parce que ils ne sont pas élus, ce sont les chefs des différentes factions, mais eh bien, et ça va être un corps, on va dire, plus. C'est une sorte, bah c'est une oligarchie en fait. C'est une oligarchie avec un conseil dirigeant eh bien, va présider tout simplement la nation naine. Et le calme et l'ordre est difficile, hein, on passe pas des centaines d'années de guerre, sachant que ça se passe 230 ans après la guerre des Trois Marteaux. 230 ans, vous dites, ouais, c'est beaucoup. En vérité, j'espère qu'un jour ce sera retcon, ça. Pour le coup, c'est vachement important que ce soit retcon. Vous allez me dire pourquoi. Bah, en fait, 230 ans, c'est trop tôt. Je rappelle que les nains vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Par exemple, Muradin, pour vous donner un exemple, a 320 ans. Donc 230 ans entre la guerre des Trois Marteaux et Cataclysme, pour ériger des nouvelles capitales, notamment le pic des Aéris avec le nid de l'aigle, et pour ériger deux capitales du côté des Sombrefers, ça fait pas beaucoup, quoi. Alors ok, les nains sont des excellents bâtisseurs puisqu'ils descendent des terrestres, etc. Mais je dirais que la trame de temps est trop faible. Et on nous décrit la guerre des Trois Marteaux comme un vieil événement, un événement, on va dire, ancestral. Muradin, il y a 320 ans. Ça veut dire qu'il était potentiellement apte à se battre à l'époque de la guerre des Trois Marteaux. C'est un jeune nain. Et Muradin n'est pas un vieux nain dans l'histoire des nains. Magni est plus vieux que Muradin. Et même Magni, il n'est pas ultra vieux. Donc ça colle pas trop en fait, ça colle pas du tout, sachant qu'il y a eu plusieurs générations de nains, etc. C'est pas folichon quoi, c'est pas folichon et j'espère qu'ils le changeront. Et malheureusement, Chronicles n'a pas rectifié le problème à cette époque. En tout cas, voilà pour la généalogie sur les nains, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, donc, comme je le répète, tout le travail, merci bien sûr à Evan Essor qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de cette généalogie. On fera une histoire du coup vraiment dédicacé aux nains, puisque l'histoire de la guerre des Trois Marteaux c'est quelque chose de super intéressant. Justement, la réunification de tous les nains avec le Conseil des Trois Marteaux c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc on fera ça dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette version plus courte vous aura aidé. Il y aura la généalogie sur les gnomes qui arrive, celle sur les orques aussi arrive. Et voilà, j'espère encore une fois que ce format vous plaît. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus! N'hésitez pas à liker la page Facebook d'Evanessor et la mienne d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. Sachant que vous voyez Falstad au fond. D'ailleurs, Falstad, pour la petite anecdote, oui, c'est celle d'Outreau, eh bien, avant d'être roux, il était brun. Voilà. Et ça a changé. Le coiffeur de Darnassus, on le connaît. Voilà, bisous!